Roger. Your route to IP. Deux petits Milans qui s'envolent. Oula, il y en a un qui a été intercepté trop tôt. Je suis un peu rouillé, je me suis fait écraser, ils sont plus dangereux que je pensais. Moi ouais, j'avais pas joué depuis un moment, mais j'étais arrivé au niveau où le 1v1 IA, pardon, ça allait bien. Ah, c'est pas grave. Outlying System Protector Act, ok, pour OSP, dans Nebulous Fleet Command. Captain Flatburn sur Dishonored. Je suis déçu, le cadavre de baleine dans le DLC de Dawn est invisible pour les ennemis. Il peut pas servir de couverture. Moi, j'ai pu me planquer dessus. Je crois même que je l'ai fait ce coup-ci. T'as peut-être eu un bug. Je crois qu'on l'avait fait. D'ailleurs, les deux DLC de Dishonored sont en ligne, ça y est. Le dernier était. Je suis passé à travers les. Ah oui, c'est pas normal. T'as eu un joli bug. Oh, ils sont là. Parce que les bouchers sentent ta peur. C'est pour ça. Ça veut dire qu'il reste des gens vivants là-dedans. C'est Monte Casino à nouveau? Pas un mont en Italie compliqué à prendre, c'était un monastère, si je dis pas de conneries, en Italie, ouais. Ils l'ont. Les Alliés l'ont bombardé jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand chose. Ayant resté plus grand chose, sauf les forces de défense qui étaient encore à l'intérieur. De mémoire, 4 canons automoteurs et. Enfin, au moins 4 canons automoteurs et 300 parachutistes, je crois. Ça a été une belle galère, ouais, ce qui paraît. Bon, le terrain on faisait aussi. Hein. Enfin, c'est. Jeter un œil, ne serait-ce qu'à l'article Wikipédia. C'est vachement intéressant. Ok, on va faire les mêmes 15 secondes de suppression, mais sur l'autre bâtiment. Pas besoin d'avoir deux véhicules, voire qu'un seul.
La ligne de tir est dégagée. Ouais, ça va aller. Ce sera bien. Secondes sur une minute, ça suffit. Les 15 secondes sont pas là pour leur faire baisser la tête, sont là pour leur couper la tête. C'est du 20 mm, ça devrait aller. Il n'y a pas. J'ai de plus en plus besoin de mes ingénieurs, donc on va les envoyer sur le terrain. Très littéral, j'aime bien. Littéral, pardon. Ici, ça m'inquiète sévère. Attends 30 secondes avant d'y aller. Et puis tira. Ils ont pas l'air d'avoir miné les rues, c'est bien, c'est déjà ça. Donc eux vont avancer, ici on bouge pas, ils sont très bien là où ils sont. Ok, on essaye. Bon ça. Yeah, une mitrailleuse. On devrait pouvoir tirer dessus au char. Donc ça devrait aller. Ok, pas de perte. Doit être au rez-de-chaussée, je suppose. Non, mais c'est encore mieux. T'as tiré sur qui?
La jolie tête blonde là-bas? Ouais, c'est ça. Ah, tellement cool. Premier et deuxième étage qui sortent bien. Le tireur d'élite l'a pas encore vu. Ça va, je pense qu'on pourra donner l'ordre de tir à nos blindés. À première vue, ils sont dispo. Secondes, soit un obus normalement. Pour les trois. Voilà, un obus chacun. Normalement avec une bonne synchro. Ici, la porte est là. Ok. Faire ça différemment. Tu vas attendre 5 secondes, puis tu vas courir à l'intérieur. Ici. Tu vas canarder pendant 15 secondes. Ça devrait être suffisant. Et si tu nous fais ça, t'es avec ce groupe-là, parfait. Toi, tu cours là, là et là. Ok. Nos fouches sont en route, tout va bien. Y a quoi à l'intérieur? Panzerfaust, des grenades et tout un paquet de munitions. Ok. On est bon, et l'avion devrait pas trop tarder à frapper. C'était quoi le truc à roue? Ça? Un petit transport de personnel. Ah d'ailleurs, c'est amphibie visiblement. Cool.
Il a une tête de vabe. Ça tombe bien. Mais avec plus de roues. T'as une mare pour tester? Non, pas là tout de suite. Et ce tour-ci, c'est le bordel. Ouf, ok. Okay, ce tour-ci, on a essuyé beaucoup de tirs. Pas de perte enregistrée. D'abord, l'assaut sur ce bâtiment. Ça c'était pas besoin. Il était pas. On l'a pas sonné, mais. Enfin, on l'a suffisamment bloqué pour empêcher de faire un tir précis. Ça, c'est ok. Et le bâtiment est... Là, tu te rends compte à quel point tu te fais canarder, vieux. Ici. C'est tellement cool cette possibilité de revenir en arrière. Okay, donc on a une équipe avec deux mitrailleuses, un sniper. C'est pas assez. Bien. Maintenant qu'on sait qu'il y a du monde dedans, on pourrait le bombarder, mais on va éviter. Ici, il y a un type avec une calache. Et puis il y avait un type avec un RPG quelque part là-dedans, je crois. Ouais, deux trucs. Il y a un mec ici. D'accord, RPG, c'est là. T'as tiré quoi comme munition? Une munition qui fait peur.
plus, on va balancer la sauce. Oh bah je crois qu'il est mort. Ouais. Oups. Et puis là-haut. On a une mitrailleuse. Ok, bien positionnée celle-là. Je crois pas qu'il est mort. Vengeance, j'ai vu l'ennemi en premier, les torpilles ça pique. Oh, bah c'est cool tout ça. Donc bombarder ce bâtiment qui fait un peu bâtiment religieux, enfin bombarder le dôme. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas vu? Non, ça va. Tu les brouilles ou pas? Ouais, ça y est, tu vas me porter la poisse maintenant. Oh, merci. Même pas? Effectivement, ils ont pas des capteurs terribles. Non, t'es pas vu, t'économises. Ok. Ce gros danger. C'est le problème. Ok. Donc depuis la rue, c'est mort. Depuis la position en hauteur, ça devrait se faire beaucoup mieux. On va utiliser nos léopards. Possible ici. Ah, il y a ce bâtiment qui pose problème. Peut le raser, hein, au besoin. Alors, les deux batteries, munitions fumigènes, durée médium, immédiat, confirmé, ça fait 6 minutes, ça veut dire 6 minutes à se faire canarder. On va peut-être
pas rester exposé pendant 6 minutes. On va voir, le vent va dans quelle direction? Du nord-ouest. Mais c'est pas ouf. Donc il vient du nord-ouest, donc il vient de là-bas. Ok, non, ça va, c'est cool. Garde tes fumigènes, tu les utiliseras juste après. Ok. Donc ce groupe-là va se contenter de balancer des fumigènes et de tenir le coup. Attends, non. Toi, tu gardes ta fumigène. Toi, par contre, tu vas l'envoyer. Hop, alors, pas là. Voilà. Ok, j'ai compris. Fumigène. Toi. Tu vas là. Où est la porte sur ce bâtiment? Ah, évidemment, la porte est. Ta-ta-ta. Évidemment, hein, pourquoi faire un truc sympathique? Où sont nos ingés? Nos ingés sont toujours à Perpète-les-Bains. Ok, donc ce groupe-là c'est décidé, le groupe du centre, on l'a pas fait bouger. L'unité de commandement va rester derrière cette unité-ci. Pour le moment, je les aime bien là où ils sont. Cette unité-là, par contre, ce qu'on va faire. Hop, tu vas dans ce bâtiment, puis tu vas dans ce bâtiment. Voilà. Quelle vue depuis ces fenêtres-là? Mauvaise. C'est parfait. Ok. Merci beaucoup. Ça fait du bien. J'aime beaucoup. Comme j'ai dit, hein, ça me manquait beaucoup de faire du combat mission. Je savais pas sur lequel reprendre, et puis au final, Shock Force 2, c'est le. C'est le plus agréable, je trouve. Et c'est aussi un des moins durs.
Oui, un petit missile qui tombe pas du tout sur la cible donnée. Je crois pas en tout cas. Ce serait sympa un combat mission pré-Seconde Guerre mondiale. Pas sans une véritable refonte du moteur. Genre Pologne en 19. Oh là, sur la campagne polo-russe de quoi 1920, ça pourrait être cool. Ouais. J'aime bien ce tour-ci, c'était très calme. Première guerre mondiale, je sais pas si ça passe. Je pense pas que ça passerait Première guerre mondiale. Le système de. Enfin, il faudra un système de tranchées qui soit fonctionnel. Voilà quoi. Dans l'entre-deux-guerres, je pense que le moteur le peut. Je pense que ça pourrait le faire. Mais je pense vraiment qu'au lieu de dédier des ressources à un nouveau titre, ils devraient retravailler le moteur actuel et vraiment le moderniser. Parce que même si j'adore Combat Mission, il y a beaucoup de situations où tu sens que ça le fait plus, quoi. Ok, baisse la tête. Baisse la tête, Martouli! C'était quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le bâtiment a fait. Du coup, il est mort ou pas? Fifty-fifty. Pas sûr. Le 20 mm à 1 km a un peu de mal quand même. Qui dit? Je pense que j'ai raté l'avion. Ou que l'avion m'a raté. Non, normalement, tour suivant, ça tombe. Ok, alors. C'est bien, ça va être agréable ça. Ouais, cool. T'as un bâtiment entrant sortant ici. À faire un grand saut, mais c'est jouable. Là.
On va manquer de bâtiments de ce côté-là. Appeler le génie pour faire des tranchées, justement. Je pense pas qu'on ait l'équipement pour faire une tranchée super vite. Ok, ça c'est bon. Ce tsug là, est-ce que ce tsug là je le fais avancer? Okay, on va partir pêcher un petit peu avant. Avec le soutien de l'armée de l'air, ça passe. C'est très ouvert. Bah, je veux dire, je l'étais moins avant. Je peux m'en prendre qu'à moi-même hein, pour le coup. Ok. Il reste 1h07, on a consommé quoi? 40 minutes. Le plus dur est fait. Enfin, je veux dire, le plus gros est fait, pas le plus dur, mais le plus gros est fait. Tant qu'il n'y a pas de renfort en face. Je dévoile un peu mes cartes, voir si quelqu'un répond. Il y a du monde à droite. Ouf. Ok, on est tombé sur un gros nœud à droite. Pas d'armes lourdes apparemment. Ceci dit, on est tous dans la pièce. Et on a perdu GG, Roger, pardon. Ok. Bien joué.
Je peux pas l'avoir. Ok. Tout, 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 tout. On va voir. Ce sera peut-être une situation à Joker ici. Ouais, comme j'ai dit, j'ai trois jokers sur cette mission. Si besoin, je recharge. Okay. Ah, c'est bon, pour l'instant on les laisse au rez-de-chaussée. Est-ce que c'est exposé ici? Oui, un tout petit peu quand même. Un petit peu. Tu vas passer par derrière. Hop. Et quant à toi, pareil. Hop là. On n'a pas eu de nouvelles des mortiers ennemis depuis quelque temps déjà. Ça, c'est pas mal. Est-ce que tu pourrais tirer là-dessus? Pas sûr. Sûrement falloir bouger un blindé. Toi, tu peux, canarde, explose ça. Alors, c'est le bâtiment à côté. Pas de ligne de tir. Peut-être sur les véhicules plus à l'arrière. Non, parce qu'il y a un fichu arbre. Et puis je crois que personne pourra. Ok, on peut canarder le toit. C'est pas génial, mais ça fera l'affaire et puis ça permettra peut-être de tirer nos gars de là. Discord a fait une match pour le partage d'images, ça fait plus spam. Ouais, ça fait une petite mosaïque, mais ça fait un moment déjà. C'est vraiment sympa visuellement. Bon, c'est parti!
je vais me focus ici déjà. J'aime pas beaucoup les tirs de 20 mm, qui tapent beaucoup trop proche, qui tapent même mon bâtiment. Ah! Punaise, ils m'ont fait peur, c'est con. Est-ce que ça... Non, ça va, ça endommage pas mon véhicule. C'est marrant que l'ennemi soit pas rendu encore. Ils doivent se dire que je vais manquer de munitions bientôt. Dire qu'on l'a enfin eu lui. J'ai vu tirer toi. J'ai vu des traces vertes. Il me fait peur à chaque fois avec ça. Est-ce que on a des petites icônes qui brillent? Absolument pas. Aucune perte. Donc on est à quoi? On est à 3 morts. Hop, tu te déplaces sur la droite plutôt. On va continuer de canarder ces deux bâtiments. On n'a pas utilisé deux charges. Peut-être. Juste pour assurer une meilleure couverture, tu vas te mettre là et peut-être que tu pourras tirer vaguement sur le bâtiment, mais c'est juste au cas où. Toi, tu vas t'occuper de mettre une charge de démo ici, rentrer dans le bâtiment, et en fait, ça servira à rien. Par contre, ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est un peu mieux. Ce bâtiment-là aussi, ça aurait été utile. On va amener l'équipe de commandement et des charges aussi. Non, ils n'ont pas de charge, bah évidemment.
Bon, ok, cool. Ta 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 ta. Quand tu seras là. Nouvelle mention, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le Discord? Quand tu seras là, tu nous feras un cible bref. Deux obus, merci beaucoup. Il est trop mignon ton petit vaisseau. Non, c'est pas un problème. J'ai toutes les notifications dé désactivées. C'est juste que je vois le. Tu sais, visuellement, je la vois, mais j'ai pas de son. Donc y a vraiment aucun souci. RB35. Clear Todd, over. Mais c'est valable hors stream hein, d'ailleurs. Si jamais vous m'envoyez une notif et que je la vois pas tout de suite, c'est pour ça. Nos deux mardeurs qui sont ici, qui nous servent pas à grand chose, faut bien l'admettre. Donc, ok, le groupe de droite s'occupe de ça, ça marche, pourquoi pas. Ici, on avance bien et c'est ok. Il y a une sortie par ici? Pas vraiment. Il n'y en a pas d'ailleurs. Ok, donc vous restez dans ce bâtiment-là et puis on ressortira, on passera par la rue. On se bat pour les quelques bâtiments qui restent. Le groupe sur mon extrême flanc gauche, on va ouvrir ça, se stationner dedans. Tour suivant, on avancera un petit peu. Ouais, c'est ok. C'est ok. Ok, la frappe fumigène est terminée. Et aucune perte de notre côté. Clear target. Clear target, on va gentiment commencer à manquer de munitions pour eux. Lui n'a plus de missiles. Et munitions explos à 50%.
Elle est où la porte? C'est pas grave, on n'a pas besoin de porte. Ça nous permet de vérifier combien de charges de démolition on utilise aussi par mur. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Le balcon est où? Il n'y a pas de balcon, merveilleux. Les meilleurs bâtiments n'ont pas de balcon. C'est vrai, hein, je ne canne pas. Le moteur. Le moteur a du mal avec les balcons. Voilà. Un véhicule de combat ici, un véhicule de combat qui va là. Ce groupe-là, c'est OK. Ce groupe-là, c'est OK. Ce groupe-là, ça devrait être bon. On va avancer ces deux mardeurs-ci. Il y a ça qui m'inquiète. Voilà, je pense que c'est bien. On va avancer ces mardeurs-ci aussi. Tac, 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 tac.